En tout cas, comment lui dire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Vous êtes bien dans le Smilebox Club tous les samedis, 17h, 20h, le maximum de son comme, vous, comme d'habitude. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, un très bon début de week-end, pardon, parce que vendredi, il faisait un sale temps. Aujourd'hui, on espère qu'il va faire un petit peu plus beau encore. En tout cas, ça, c'est le Smilebox Club tous les samedis, 17h, 20h. Et on lui passe ce soir notre artiste invité, comme vous pouvez le constater, bien évidemment, sur mixé.fr, notre nouveau partenaire, et ainsi que le blog du Zouk. Vous pouvez voir en direct live, elle est là, Audrey. Donc vous la voyez, vous allez pouvoir tout savoir sur la belle dans quelques instants pour l'interview. Et oui, ça c'est le Smilebox Club tous les samedis, je vous l'ai dit. En tout cas, je vous rappelle ce soir, je vais faire une spéciale dédicace parce que je l'avais promis. Donc c'est parti, une grosse dédicace à tous les auditeurs, à toutes les auditrices qui nous écoutent du côté de l'Afrique, parce que je sais que vous êtes très nombreux, j'ai reçu vos mails, etc. Donc voilà, je le dis encore une fois, un gros big up à vous, merci d'écouter l'émission, je sais qu'on est écouté dans le monde entier, ça fait plaisir. Et ah oui, aussi une grosse dédicace à la personne qui est en Chine là, qui m'a envoyé un mail aussi, ça fait plaisir. On est écouté même en Chine, donc le Smilebox Club est vraiment international. Merci à vous en tout cas, ça fait énormément plaisir. On va pas perdre de temps ce soir, il y a énormément de choses, vous allez découvrir Audrey Mas bien évidemment. Et il y aura beaucoup de sons, des nouveautés, des exclusivités comme d'habitude. Eh ouais, ça c'est le Smilebox Club, pardon. J'en bafouille tellement, c'est chaud le programme ce soir. Allez, on va pas perdre de temps, on va commencer ça, on est parti. Tous les samedis, le Smilebox Club s'installe de 17h à 19h. Sol. Yo, t'as la peine pas passer y'en boîte, il va les wafrer. Augmentez les watts, juste à la fin, qu'à descendre, coucou, bas, sans mise en l'air. Crier une bécane, sauf qu'écouter. Tous les samedis, Smilebox Club, l'émission à ne pas rater. L'émission à ne rater sous aucun prétexte, tous les samedis. Allez, on est parti. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses, parce que les auditeurs, les auditrices attendent avec impatience. Audrey, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Mais écoute, ça va, c'est la toute première fois que tu participes au Smilebox Club. Ouais. Sois la bienvenue. Merci. Ça va, t'es bien installé dans les studios? Bien, là, très bien. Très bien. Oui. Les auditeurs, ceux qui peuvent te voir sur mixé.fr, peuvent te voir. Bonsoir. Tu peux leur bonsoir faire un petit coucou. À tous. Donc, comme on disait, c'est la toute première fois que tu viens dans le Smilebox Club et tu viens pour une raison. Mais avant ça, j'aimerais qu'un petit peu, à travers cette interview, qu'on apprenne à te connaître un petit peu. Ouais. Donc tu t'appelles Audrey Mas, oui. Tu viens d'où? Alors je viens de... Alors mes origines déjà, d'accord. Que ce soit clair pour tout le monde. Oui. Donc je suis d'origine guadeloupéenne congolaise. D'accord. Voilà, donc un joli mélange. Oui, effectivement, qui m'a permis en tout cas musicalement d'avoir des influences des deux côtés. Ouais. Et voilà. Voilà. D'accord. Donc bah, c'est très bien. Et tu chantes depuis combien de temps? Je chante depuis toujours. T'as commencé tout petite sous la douche, tout ça? Toujours. J'ai commencé même avant, je pense, quand j'étais dans le ventre de maman. D'accord. Parce qu'en fait, j'avais des parents un papa surtout, congolais, mais qui était fou de musique antillaise. D'accord. Donc, moi je me rappelle qu'il avait sa pile de CD, il fallait limite pas y toucher, c'était comme la Bible un peu. voilà, donc j'ai baigné là-dedans et j'ai une grand-mère aussi qui était chanteuse et danseuse. D'accord. Qui devait en fait être une des Claudettes de Claude François. Mais qui ah ouais, carrément. Pas été... Ouais, ouais. Qui ne l'a pas été parce que elle vivait aux Antilles et puis ses parents n'ont pas trop voulu la laisser partir. D'accord. Voilà. J'ai aussi par ma grand-mère été aussi baignée beaucoup par la musique française. Ok. Avec elle j'ai beaucoup chanté, avec mamie beaucoup chanté. Voilà. Et ensuite après en grandissant j'ai essayé de faire plusieurs choses qui n'ont pas abouti concrètement au d'accord. projet. Donc, mais tes premières expériences, musicalement parlant, c'était quoi?
Qu'est-ce que tu as fait dans les... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai, pour le plus marquant, j'ai participé à une web, la première web émission, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle R&B Battle. Oui, voilà, effectivement. Donc, j'y ai participé et bon, malheureusement, pour des raisons personnelles, j'ai arrêté avant la fin, mais j'ai été quand même assez loin. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, je cherchais des photos, mais ils ont tout enlevé. Donc, d'accord. Il n'y a plus la trace de ton passage. Voilà, mais sinon, de scènes, réellement de scènes, j'ai commencé à en faire assez récemment. Donc, c'est aussi le début. C'est le début, moi, c'est le début d'une grande aventure. Ouais. Parce qu'on va, on va revenir quand même, 2 ans en arrière, c'est-à-dire en 2010. Ouais. Et là, tu rencontres ton producteur, DJ Zaix. Alors, comment est née cette collaboration? En fait, au début, c'était pas forcément évident parce que on se connaissait, mais il a pas su tout de suite que je chantais. D'accord. Et un jour, je lui ai envoyé un message en fait, et je lui ai dit que je connaissais quelqu'un qui chantait depuis toujours, qui avait une superbe voix, etc. Ouais. Du coup, est-ce que ça pourrait l'intéresser? Donc en fait, je lui ai envoyé quelque chose, il a écouté, ça lui a plu et c'est après que j'ai dit que c'était moi. Donc non mais c'est un beau superbe, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Vu qu'on se connaissait déjà, je préférais déjà qu'il entende, vu que lui, il avait quand même un pied dans la musique, etc. J'ai eu des avis de pro, mais bon, là, du coup, ça se concrétisait vraiment. Ouais, d'accord. Donc, je préférais avoir son avis avant. Et puis après, comme ça lui a plu, ça s'est fait au fur et à mesure. La première chanson, le projet, etc. D'accord. On va en parler tout ça parce que c'est... Justement, on est là pour ça et c'est très, très intéressant parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses à savoir sur toi, justement. De cette collaboration naît le premier titre, ouais. Conte de fées, qui est sorti en septembre. Alors, comment avez-vous travaillé ce titre? On a commencé à travailler avec BBC, sur la composition du morceau. Moi, de toute façon, c'est moi qui écris mes chansons. Donc, par rapport à ce qu'il avait fait, moi, j'ai écrit ma chanson. Voilà. D'accord. Tout ce qui est mélodie, etc., ça vient un peu depuis toujours comme ça. Donc, ça vient de toi, en fait. Ça vient de moi. D'accord. Voilà. Non, mais c'est important de le dire, c'est important. Ça vient de moi. Ouais. Et puis ensuite, on fait écouter d'abord, voir ce que ça donne. Et puis, ça a plu, donc... On a continué comme ça et puis ensuite le studio. Ça, finalement, c'est fait quand même assez vite. D'accord. Ouais. Assez vite. Bah écoute, je te propose justement d'écouter les résultats de ton travail, ouais. De ton dur labeur. On est parti, Audrey Mass, Conte de fées. C'est le présent. Tout doux, laisse-moi aller. Dis-moi que tu me donnes.
Jusqu'à la dernière note. Très 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 beau titre. Tu vois, tu travailles bien finalement. Merci. C'est un très 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 beau titre. Et c'est inspiré de quoi ce, tu t'es inspiré de quoi? De plein de choses. Déjà mon amour pour la musique. Même d'accord. Si à première vue, bon voilà, ça peut parler aux gens qui sont amoureux, etc. Ouais. Moi, mon amour, c'est la musique. Elle a toujours été là. D'accord. Donc c'était un peu un hommage à ça en fait. D'accord. Voilà. Très très bien. Mais en tout cas, c'est un très très beau titre. Et ce premier single est paru sur le label Le Bloc du Zouk. Mmh. Alors ça fait plaisir d'ailleurs. quels sont les retours du public? Moi je les ai pas directement, mais c'est vrai que via en tout cas ma page fan et le YouTube en fait, puisque pour l'instant il y a une visibilité du clip sur YouTube. Exactement. Les retours sont jusque là assez bons même. Assez bon. Bon, on va dire bon, on va rester modeste. Non mais c'est vrai que c'est un... On va dire bon, ça accroche bien, les gens aiment bien. Ouais. Je suis contente. Mais c'est vrai que vous avez tourné un très très beau clip. Oui. Je pense qu'il a été réalisé par MJ, c'est ça? MJ Bern, oui. Alors comment ça s'est passé le tournage? Parce que bon, c'est pas évident, c'est ton premier clip. C'est quoi les... T'avais une petite appréhension? C'était horrible. Non, ouais. Non, c'était pas horrible, mais en fait, je crois qu'on a dû le faire en deux, enfin sur deux jours, sur deux jours. D'accord. Non, franchement, c'est une expérience hein, le tournage d'un clip. Ouais. J'ai été c'était l'été, donc il faisait très chaud, c'était pas toujours évident, mais c'était long aussi parce que y a la dernière séquence de nuit. D'accord. Donc c'était un peu long, mais voilà, devant la caméra ça se voit pas, donc c'est très bien. Le rendu est, ouais, le rendu est très bien. Non, je suis vraiment contente. Ouais. Et est-ce qui a eu l'idée de travailler avec MJ Bern? Avec MJ Bern, en fait c'est une connaissance de DJZAX. D'accord. Donc pour un premier clip, c'est venu assez naturellement de travailler avec lui. Bon, lui à la base, il est plus photographe. Ok. Mais justement, je pense que c'est la petite touche, le petit truc en plus sur le clip, parce qu'il y a pas mal de plans en fait qui ressemblent à des photos. D'accord. Donc voilà. Donc même si à la base c'est pas vraiment son truc, bon, il a réalisé quelques clips. Non mais c'est très bien fait. Voilà. C'est vrai que c'est bien fait. Et puis nous aussi, on sait qu'il a du talent, donc c'était lui donner cette chance là aussi à lui. D'accord. Donc voilà. Et puis on est très content du résultat. Donc, non mais c'est un très très beau clip. D'ailleurs, chers auditeurs, après l'émission, je vous invite à aller regarder ce clip parce que franchement, c'est un. Vous m'en direz des nouvelles. C'est un très très beau titre, un très très beau titre, et en plus un très très beau clip. On a pu t'apercevoir sur différentes scènes, notamment sur par exemple à l'After Work de Vie Black, ouais, ou encore au club Section Zouk. Ouais. Alors comment ça s'est passé? Raconte-nous un petit peu tes premières scènes, que tu chantes ton titre, etc. La plus impressionnante, ça reste quand même la première, celle de Vie Black. Ouais. Parce qu'en plus il devait y avoir 1000 cas sur cette scène là. D'accord. Et elle a pas pu, donc si tu veux on s'y est
on a été un peu, moi j'ai été prévenue en fait vraiment au dernier moment. D'accord. Donc bah écoute, je me suis dit, j'ai pas réfléchi longtemps, je me suis dit bon bah Audrey là, on y va. Hein, on y va. Donc voilà, mais oui, c'était la plus impressionnante parce qu'en fait il y avait la fille traumatisée, tu sais, non. Il y avait une petite scène au milieu. Ouais. Une espèce d'estrade en rond et il y avait tous les gens autour en fait. Donc quand il y a okay. le présentateur qui est arrivé en disant bon déjà les gens ne connaissaient pas forcément mon titre. D'accord. Il découvrait ton titre. Il découvrait mon titre, ouais. Et ce qui était le plus difficile en fait, c'est par rapport à cette scène, c'est que je voyais pas tout le monde, donc fallait que je tourne un peu pour voir tout le monde. Ouais. Mais après au niveau de l'accueil, franchement, j'étais super contente parce que le titre il a été super bien reçu, les gens étaient attentifs, il y avait des gens qui dansaient aussi. Ouais. Non, franchement, super, super. Ah bah en tout cas, c'est une très très bonne expérience. Ouais, tu regrettes ouais, ouais. pas cette expérience? Ah non, pas du tout. Bah un peu peur au début, oui, mais ça c'est normal. Je pense que ça, c'est normal. C'est tout à fait normal au début, après, et puis après ça va non, mieux. Non, après hein. ça, ouais, super. Et est-ce que tu as des dates de presta à venir, à nous communiquer? Là, connue, non, là non. j'en ai pas. D'accord. Non, là j'en ai pas de connue. Par contre, il y a effectivement la compilation du blog du Zouk le 12 novembre qui sort. Bah, j'allais le dire, ça fait plaisir que toi. Je t'ai devancé. Non, mais c'est bien que toi tu le dises, c'est important. Tu peux le dire aux auditeurs qui nous regardent, qui nous écoutent. Voilà, donc dans les bacs, le 12 novembre, dans la compilation du blog du Zouk, mon premier titre. Audrey Mas elle est dans cette compilation. Le blog du Zouk qui sort le 12 novembre. Ouais. Et en plus, en bonus, il y a un mix de DJ Smile. De 40 minutes. Ça, c'est très bien, ça. Voilà, 40 minutes, voilà. Donc, ouais, que du bonheur, quoi. Que du bonheur. Ouais. Et quels sont les projets à venir? Les projets à venir, il y a déjà un deuxième titre qui va sortir. Ah, nouveau... ah j'aime bien ça. Je ne dirai pas quand, pour le moment. D'accord, mais il est terminé, il est au four. Il est au four, ça se prépare. D'accord. Donc, un deuxième titre, un deuxième clip, évidemment. Ouais. L'album, pas tout de suite, pas forcément tout de suite. D'accord, on prend son temps, on se découvre, okay. Voilà, mais non, il y a plein de belles choses qui arrivent. D'accord. Donc tu sais que tu seras obligé, bien évidemment, de venir nous présenter ton prochain single dans le Smilebox. Évidemment. Ça, ça va de soi. Eh oui. Bon, on est d'accord. C'est important que les gens le sachent, etc. Tu sais, il y a... Ici dans le Smilebox Club, enfin les auditeurs, les auditrices là qui nous écoutent, qui nous regardent, ils aiment bien des petits cadeaux. Ouais. Ils sont très cadeaux, ils adorent ça. En plus, on approche des fêtes, etc. Ouais. Mais même, tu sais, je serais tenté de dire que dans le Smilebox Club, c'est tous les samedis de 17h à 20h, c'est jour de fête. D'accord. C'est du plaisir, c'est de la joie. C'est même s'il fait pas terrible, le temps n'est pas terrible, mais il fait beau. Tu vois. Ici, il y a toujours soleil, du soleil, etc. Ouais. Et j'aimerais que tu me fasses un petit acapella. Oui, bah, pas de soucis. Si possible. Pour toi et puis tous ceux qui nous regardent. Voilà. Mais d'ailleurs, je vais me lever. Tu vas te lever pour qu'ils puissent bien te voir, les auditeurs, etc. Tu viens et tu. Voilà. Et je leur fais mon refrain. On est parti, c'est quand tu veux. Mon amour, est-ce pas comme ça? Dis-moi que tu ne veux que moi. Profitons de ce moment. Ce qui compte, c'est le présent. Doudou, laisse-toi aller. Dis-moi que tu veux danser. Tu n'auras pas le choix. J'ai tellement besoin de vous. Ouh là là. Merci. Très 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 belle voix. Ouais, mais en vérité, c'est une très belle voix. Merci. Hey, vous avez vu, c'est du live direct. Hein. Il n'y a pas de chichi, il y a pas de, c'est du live. Et comme vous le constatez, tu dis très 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 lourd. On va profiter justement parce que t'es pas venue toute seule. Non, je suis pas venue toute seule. T'es venue avec ton producteur. Ouais. Mon manager, bah, il va ton se lever. Ton manager, hein, il va voilà. se lever. DJ Zayt, je t'en prie, prends les accessoires afin qu'on puisse t'entendre. mets-toi en condition. Celui sans lequel je ne serais pas là. Oui, effectivement. C'est bon, ça marche. Entre autres. C'est bon. Zayt, comment tu vas? Ça va fort bien, merci. Ça va bien? Ça va. La forme? Bon, ça fait froid. Ouais, j'ai vu que t'as un petit peu. T'as un chien, ta voix un petit peu. Ouais, voilà. Bon.
Bah bon, ça va aller. Ça va aller. En tout cas, merci en tout cas d'avoir découvert Audrey. C'est important. Ça arrive parfois comme ça, on découvre des gens. Non, ça fait plaisir. Ouais, parce que c'est très très bien. Grâce à toi, une nouvelle voix dans le Zouk. En plus, talentueuse. Comme je t'ai dit, t'as un très bel artiste. Donc, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Et on prépare de belles choses. Le meilleur reste à venir. Bon, en tout cas, on te remercie d'abord déjà parce que d'être venu, etc. Parce que bon, tu es quelqu'un de très pris. On le sait. On va pas le dire 40 000 fois. C'est quelqu'un de très très pris. Et justement, mais comment, bon, ben les gens, il y a peut-être 2-3 personnes qui te connaissent pas. Tu sais, des fois on est écouté dans le Groenland, et il y a 2-3 personnes. Moi je pense qu'il y a plus quand même, il y a plus de 2-3 personnes quand même. Hein, qui te connaissent pas. Donc ce serait bien que tu te présentes un petit peu. Et moi je suis DJ ZAX, donc actuellement bon DJ dans la sphère Kizomba. On va dire que je fais partie des acteurs qui développent en ce moment la Kizomba, la danse et la musique. Okay. Donc parallèlement à ça, bon, il y a des projets intéressants, Audrey Maas. Oui, j'ai vu, très très, voilà. Très beau. Et donc voilà, disque jockey, producteur, manager. Voilà. D'accord, t'as plusieurs cordes à ton arc. Exactement. C'est important. Exactement. Et justement, ben ce soir, bon, on est samedi soir. Ce soir, tu dois être en presta, non, ce soir? Ce soir j'ai une presta, mais ce soir c'est une presta, enfin c'est une soirée privée. D'accord. Une soirée privée, mais sinon. Mais hier je crois que hier t'étais au Palacio. Au Palacio. Ouais. D'accord. Donc moi je suis, on peut me retrouver tous les vendredis au Palacio. D'accord. Ouais. Mais si t'as des dates à communiquer, y a pas de souci, tu peux y aller. Hein. Tu seras des prochaines presta. Moi on peut me retrouver tous les vendredis au Palacio. Ok. Donc et tous les dimanches aux soirées Lights on Kizomba. Donc c'est une soirée que j'organise justement avec MJ Bern, qui est mon associé, celui qui a réalisé le clip d'Audrey Maas. D'accord. Donc on organise des soirées Kizomba tous les dimanches. C'est à la Villette, au My Boat. Donc d'accord. Lights on Kizomba. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site www.soirée-kizomba.com. Ok, moi j'aime bien quand les infos sont claires, nettes, précises, voilà. Tout le monde est au courant, tout le monde sait comment ça se passe. Très très bien. Et quels sont les projets à venir pour toi? Mais moi je suis en ce moment sur la réalisation d'une compilation Kizomba. D'accord. Donc une compilation qui va normalement sortir avant la fin de l'année. Ok. Donc voilà, c'est une compile qui va réunir beaucoup d'artistes. Sur Audrey Maas aussi, sur un morceau Kizomba. Tu sais que quand tu dis des trucs comme ça. Tu sais, quand tu dis des trucs comme ça aux auditeurs qui nous écoutent, je rappelle, dans le monde entier, tu seras obligé de venir nous présenter cette compil. Il n'y a pas de souci. Tu seras obligé, soucis. Parce que quand tu dis des trucs comme ça, ça nous intéresse. Hein. Mm-hmm. C'est important. La Kizomba, du Zouk, tout ça, il y a tout sur le blog du Zouk. Il y a tout, donc on fait la promo de tous les titres. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc c'est, pour... ah, ok. Donc, chers auditeurs, vous avez entendu. Hein. Vous avez vu, vous avez entendu. Il n'y a pas de souci. Il va venir nous présenter justement cette compile. Et puis Audrey, avant de se quitter quand même, tu peux nous donner ton adresse Facebook où les gens peuvent te contacter, te joindre? Alors bon, il y a un site internet en construction. D'accord. Donc c'est www.audreymaas.com. Ok. Et puis on peut me suivre sur Facebook, donc sur ma fan page. D'accord. Voilà, Audrey Maas fan page. Okay. Je vous attends. Et c'est bien toi qui réponds aux... C'est bien moi qui réponds, qui suis derrière mon clavier, je le dis. Voilà. Non, c'est important. C'est important. Et voilà. Toi, ZX, si t'as un Facebook ou les gens veulent te contacter. Moi, j'ai un Facebook, enfin c'est DJ ZX, DJ ZX, DJ apostrophe ou DJ-ZX, ZYX. Donc vous tapez ça sur Facebook, normalement on me trouve. C'est le deuxième compte parce que. Ah, le premier il est saturé. Premier il est saturé. D'accord. Avant de se quitter, on va quand même poser la question qui est importante. Qu'est-ce que vous pensez du blog du Zouk? Moi je commence. Merci, on est en femme. On est en femme. C'est juste énorme. Parce que c'est vrai que je pense que le monde du Zouk, de manière générale, est affrontier. Moi, je pense, manque, malgré tout ce qu'il y a en place de visibilité, et grâce à ces personnes-là, ça permet aux gens de découvrir beaucoup de choses. Et il faut continuer le combat. Oui, il ne faut pas lâcher. Oui, oui. Voilà, et juste merci à eux d'exister. D'accord, voilà. Écoute, on essaye en tout cas, on essaie, c'est important. Ouais. Et toi, Zaïx?
Mais moi, je trouve que... Bon, ben, elle a tout dit. Mais bon, je rajoute que non, le travail est bien fait. Et encore une fois, le bloc du Zouk a bien beaucoup contribué à la visibilité d'Audrey Mas. Et, je les remercie. Gros big up à Julien, à Smile et toute l'équipe. Bah merci. Donc en tout cas, ouais, le travail est fait et c'est, il est bien fait. Donc c'est cool. Bah voilà, c'est tout. Bon, on va se quitter justement avec un titre que j'aime bien. Un titre que j'affectionne particulièrement, qui sera sur la compilation du bloc du Zouk qui sortira le 12 novembre. Mm-hmm. C'est une certaine Audrey Mas. Donc on va s'écouter ça et on se dit au revoir. Okay. Bah, je vous laisse et à très très bientôt. On va vite. À bientôt. À bientôt. Ciao, bye bye. Chers auditeurs, on se fait un petit kiff. Ça sera le 12 novembre sur la compilation du bloc du Zouk. Audrey Mas, Conte de Fées, on est parti. Audrey Mas. Mon amour, mon conte de fées. Sont exaucés.